Suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'appelle Timothée Doué, je suis responsable du marché Cool Roofing pour l'entreprise Lumiforte. Le projet, c'est CoolFX. C'est une peinture temporaire permettant de réduire la température des bâtiments. Les objectifs sont multiples. Diminuer la consommation énergétique des bâtiments, réduire les émissions de CO2 et améliorer le confort des travailleurs et des animaux dans l'élevage. Le tout en créant un produit éco-responsable. Pour au final, gagner de 2 à 7 degrés. Quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est rendu compte que les peintures de Cool Roofing permanentes induisaient des besoins en chauffage plus importants l'hiver. L'idée, c'est une peinture qui ne dure que quelques mois et qui s'efface progressivement avec l'alternance UV-pluie de l'été. On a donc une solution qui permet de refroidir le bâtiment en été sans impacter les besoins de chauffage en hiver. Entre l'idée initiale, la recherche, le développement, les tests sur le terrain et la commercialisation, se sont écoulés 5 ans. Entre les départements recherche et développement, la production bien évidemment, et le service marketing et vente, environ une quinzaine de personnes en interne. Nous avons également travaillé avec des partenaires en externe qui sont des applicateurs et des distributeurs pour effectuer les tests sur le terrain. Alors, c'est avant tout une solution qui est 100% adaptée au climat nord-européen. Et ce qui change surtout, c'est l'utilisation de matières premières d'origine naturelle. On va remplacer les polymères synthétiques qui sont couramment utilisés dans les peintures de Cool Roofing par de l'amidon que vous allez retrouver dans la pomme de terre et dans le maïs. Et pour la teinte blanche, on va remplacer le dioxyde de titane qui est extrait de mines en Chine et transformé via des process chimiques lourds par du carbonate de calcium qui est de la craie extrait de mines en France. Et le tout dans un emballage plastique 100% recyclé. L'amidon est un polymère naturel qui peut servir de résine dans nos peintures. La résine est extrêmement importante car elle permet l'accroche de notre peinture sur le support pour une durée de 4 à 6 mois. Le problème, c'est que l'amidon est soluble dans l'eau. Nous devons donc modifier l'amidon pour le rendre insoluble. Pour cela, nous réalisons une action de réticulation à basse température. La réticulation est une action chimique permettant d'attacher de nouvelles molécules sur l'amidon et de façon permanente. Et les modifications que nous effectuons conservent les propriétés de biodégradabilité de l'amidon. CoolFX est commercialisé depuis le début de l'année 2023 sur des marchés tels que l'élevage, la grande distribution et l'industrie. Harmonie. Il a mis un produit, tu vois. Oh là là, c'est dur.